Yeah, pas tout le monde, bienvenue dans ma catégorie. Voilà, je cherche à comprendre ma vie, à entreprendre, à comprendre comment il faut que j'optimise potentiellement la fiscalité autour de mes impôts. Alors, j'ai essayé de comprendre un levier dont on entend parler. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais moi j'en ai déjà fréquemment entendu parler. C'est la SCI, la Société Civile Immobilière. Alors, j'ai essayé de comprendre déjà de façon générale, en fait, c'est quoi une SCI pour quelqu'un qui est non expert, quelqu'un non sachant, qui connaît rien à la fiscalité, rien à la gestion du patrimoine, bref, moi, ma position de particulière. Alors, donc moi, ce que je comprends, c'est que c'est un outil avant tout utilisé dans la gestion de biens immobiliers. Donc, ça semble présupposer que soit on dispose d'un patrimoine, ou soit on passe par une SCI pour accéder à un patrimoine immobilier. Alors, ça peut être des leviers. En fait, ça dépend qui entrevoit la mise en place d'une SCI. Moi, ce que je comprends, c'est qu'en fait, la SCI, bah, ça peut être un levier, effectivement, pour gérer son patrimoine, mais c'est également potentiellement, pour moi, est-ce que c'est pas un levier pour mieux entreprendre? Voilà. Est-ce que c'est pas un levier pour mieux vivre, réduire sa pression fiscale lors des donations, des héritages, préparer les difficultés futures? Voilà. Est-ce que c'est pas un levier pour mieux entreprendre également? Que d'avoir un patrimoine immobilier, etc., etc. Donc, je dirais que c'est fonction des objectifs de chacun, l'approche de ce sujet. C'est pour ça que dans l'approche de YEPA, je dirais que c'est une fonction très personnelle et subjective. Et puis, c'est vraiment une fonction de non-expert, surtout. Voilà, donc je risque beaucoup de maladresse. Alors, moi, je dirais que du coup, la SCI, elle trouve des avantages ou pas en fonction des objectifs de chacun. Voilà. Moi, j'ai essayé de comprendre simplement quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc, n'hésitez pas à la fin de cette présentation, tout simplement à nous aider en nous précisant un peu qu'est-ce qu'est selon vous une société civile immobilière, comment vous l'avez mis en place, est-ce que indirectement vous utilisez toujours un tiers, ou voilà, est-ce qu'il existe des petites choses simples qui peuvent nous aider, nous, à comprendre particulier. Voilà, ou entrepreneur, je dirais même, quelle serait notre opportunité en fait de mettre en place une SCI dans le cas de figure où on est seul et célibataire sans enfant, on souhaite juste entreprendre. Quels avantages et inconvénients? Est-ce qu'il y a une opportunité à créer une SCI? Ou est-ce qu'au contraire, voilà, la SCI, elle s'oriente plutôt dans une structure de société, on va dire, familiale, et donc qui prévoit la transmission familiale autour de l'héritage, la donation. Point d'interrogation, à vous de me dire. Alors, moi, en attendant, je vais essayer de vous développer ce que j'ai pu comprendre sur le sujet. Alors déjà, ma première partie, je vais la consacrer aux avantages et aux inconvénients. Dans une deuxième partie, en fait, j'essaierai de comprendre le fonctionnement global. Et puis, on passera à la conclusion. Alors, dans les avantages, bah déjà, le premier avantage, il semblerait que ce soit les optimisations fiscales. Voilà, le levier fiscal. En fait, la société civile immobilière, ce serait une stratégie qui nous permette d'optimiser notre patrimoine, donc sur un plan fiscal, en sous-entendant plus ou moins la notion de plus-value immobilière et la notion de dividende dans le cadre d'une IS, donc une imposition sur la société. Votre SCI serait à l'IS, c'est une possibilité. Alors ça, ce serait un avantage. Donc également, stratégie d'optimisation fiscale, peut-être pour entreprendre, est-ce qu'on peut optimiser par une SCI également sa fiscalité IS également, c'est-à-dire penser, réflexion autour de comment je crée de la valeur immobilière, comment je constitue mon patrimoine et comment à côté je gère également mon patrimoine et je gère mon patrimoine potentiellement en compte propre. Voilà, est-ce que je me rémunère sous forme de salaire, sous forme de dividendes, etc., etc., SCI, SAS, SASU, etc., etc. Quelle est la différence entre, à proprement parler, entre toute cette structure, voilà, et quelle fiscalité, et laquelle est adaptée à qui? C'est ce que j'aimerais comprendre. Alors maintenant, je retourne sur mon sujet avantage. Si j'ai bien compris, la SCI, donc elle répond bien à une stratégie qui vise à protéger le risque autour de la succession, de la donation, de l'héritage. Comment elle va réduire en fait les droits de succession, elle va donner lieu à des abattements successifs, des décotes, etc., etc., des endettements, voilà. Alors l'avantage global, donc vous l'avez compris, et moi aussi peut-être, et encore c'est pas sûr, c'est viser, et oui, et pas parfaite, et aïe aïe,
beaucoup de défauts, besoin de comprendre beaucoup de choses. Alors, je dirais que l'avantage global, c'est de la SCI, c'est de réduire ses impôts, déduire nos charges. Voilà, les travaux qu'on a pu effectuer, les intérêts d'emprunt. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais, ben la SCI, elle peut être envisagée dans le cadre de voilà, dans le cas de figure où on envisage l'acquisition également d'un patrimoine. Donc ça peut être également pas que un projet de fin de vie et de transmission, c'est peut-être un projet de constitution future, à mon sens, du patrimoine. Alors, donc réduire ses impôts, déduire sa déduction de ses charges possibles, alléger sa fiscalité en passant par l'option IS, impôt sur société, ça va nous permettre quoi? Bah, d'éviter la taxation sur... En fait, on aura une taxation sur les revenus seulement distribués. Et ça, c'est différent en fait du revenu foncier. Voilà, parce que comme... Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, les dividendes, elles profitent en fait d'abattement. Voilà, un abattement de 40% de manière générale. Donc du coup, en fait, la dividende restante taxée, elle sera de 60%. Donc ça, pour moi, c'est une sorte d'avantage. Après, en fait, vous serez imposé sur les loyers. Voilà, donc vous serez imposé sur les loyers comme dans le cadre de l'impôt sur la société, par tranche. C'est-à-dire que pour la tranche inférieure, on va dire de manière très arrondie, je déteste les chiffres, ça change chaque année, mais voilà, vous avez une base d'à peu près 38 KE, et sur cette base, vous êtes imposé à 15%, et après, vous serez imposé au-delà de 38 KE, selon 33 un tiers pour cent. Voilà. Et puis aussi, vous avez la déduction des charges d'amortissement, a priori. Donc voilà, là, je ne vais pas donner les chiffres non plus, j'aime pas trop, mais voilà, on va dire que c'est plus de l'ordre de 3-5%. Voilà, sans aimer trop les chiffres. Allez, maintenant, si je me concentre sur mes inconvénients, quels sont les inconvénients de la SCI? Alors moi, je dirais que inconvénient opportunité, c'est déjà, est-ce que vous allez prendre l'option IS ou pas? Si vous faites ce choix, il semble qu'il soit définitif. Donc il faut bien qu'on réfléchisse avant. Après, je dirais en inconvénient majeur, moi je penserais à la forme lourde, administrative, waouh, pour un non-expert et un particulier. Voilà, c'est complexe en termes de gestion comptable, d'approche fiscale et autres, de réalisation de comptes de résultats, de bilan. Voilà, tout ça, il va falloir mettre en place une gestion administrative, comptable et financière de type plutôt mensuel, voire annuel. Donc il va falloir gérer en termes de gestion de société, etc., etc. Il va falloir certainement faire appel à des gens, des tiers confiance dotés d'une expertise profonde, tels que les avocats, des gestionnaires de patrimoine, des comptables, des experts comptables, une société de gestion immobilière, peut-être même pour gérer votre bien immobilier, etc., etc. Donc oui, à mon sens, c'est lourd administrativement et complexe en termes de création de SCI, mais en termes aussi de pilotage et de suivi de SCI. Voilà. Est-ce que vous allez pouvoir le faire tout seul? Il me semble comprendre que non, ce ne soit pas possible et donc ça nous rend dépendants de tiers. Donc avantages et inconvénients, réduire ses impôts, optimiser sa fiscalité au regard de la transmission, mais contrepartie, dépendance des tiers, c'est très spécifique et c'est pas simple à comprendre. Alors, dans les inconvénients majeurs, en fait, ce serait d'avoir une balance défavorable. Je dirais, c'est d'avoir plus d'inconvénients et de risques au regard de la SCI, en englobant le coût de gestion des tiers et de dépendance des tiers, comparativement aux avantages d'optimisation fiscale offertes. Voilà. Alors, moi, je dirais qu'en inconvénient également, j'ai noté qu'on porte la responsabilité du bien propre. Et donc les dettes associées. Donc ça veut dire que vous restez en fait responsable de tous les risques réglementaires et de conformité associée. Donc il faut faire attention. Voilà. Après en inconvénient, je parlerai de la taxation des plus-values sur dividendes des associés, qui eux n'est pas aussi favorable que pour le gérant majoritaire, semble-t-il, qui lui est plus taxé au regard de dividendes potentiellement. Donc pour lui, pour le gérant, c'est plutôt pas mal. Pour les associés, la taxation des plus-values dividendes, elle est moins favorable et en plus, elle va se faire au regard du temps de détention. Alors, il y a différentes données. Je déteste les données quantitatives, mais on va dire, allez, une fourchette entre 20-25 ans, pour ne pas dire 22 ans. Parce que pourquoi? Ça change tout le temps.
Donc, allez regarder la réglementation. Je ne suis pas une experte et vous m'envoyez, désolée, j'essaie de comprendre au même titre que vous, peut-être. Ou si vous êtes un expert, alors là, n'hésitez pas à nous donner toutes les informations. Je suis preneuse, comme la communauté, certainement. À nous tous, eh ben, on peut mettre en place une synergie de connaissances. Voilà, allez, je passe à ma partie 2. Maintenant, j'ai essayé de comprendre la logique autour de la SCI. Donc une SCI, c'est quoi? C'est une société civile immobilière. Donc elle est représentée par un gérant. Il va y avoir autour de ça de la rédaction de statuts qui devra être rédigé en bonne et due forme en fonction du nombre d'associés. Et ça, c'est très très important pour la gestion du risque autour de la rédaction des statuts. Voilà, la gestion du risque autour de la création d'une SCI. Elle semble également en fait passer par une maîtrise rigoureuse de la définition des statuts dans un cadre juridique, voilà, strict et réglementaire. Et à ce niveau, il n'y a qu'un expert en matière de droit qui semble fortement recommandé pour vous aider à le mettre en place. Pourquoi? Ben parce que ces statuts, ils vont implémenter beaucoup de choses et ils vont jouer sur pas mal de choses, notamment la souplesse de votre SCI, sa flexibilité, le champ d'action du gérant, de ses associés, et tout ça, ça influence en fait le pouvoir et les décisions de vote autour des assemblées générales ordinaires, voire même extraordinaires. Donc en opportunité, moi je dirais qu'une SCI, ça offre la possibilité de gérer donc plusieurs biens et ça couvre le risque lié au problème d'indivision. Voilà. Pour être sûr en fait de maîtriser tout ce qui tourne autour de la société civile immobilière, il y a énormément de champs lexicaux à maîtriser. Je suis loin de les maîtriser, mais je m'intéresse à leur définition et la compréhension. Les mots-clés pour moi à associer, à maîtriser sont la notion de risque d'indivision, la notion de convention d'indivision, la notion d'hypothèque, d'acte spécifique, l'approche du code civil, etc., etc. C'est un vrai métier, donc il faut se diriger vers les experts. Néanmoins, c'est pas parce qu'on est expert qu'on ne peut pas essayer de comprendre. Alors, la notion de plus-value immobilière. Donc c'est quoi les avantages? Ben ça, c'est comme je vous ai dit, c'est les possibilités d'abattement possibles qui vont s'appliquer lors de la cession en fonction de la durée de détention. Donc pour ça, vous allez avoir un régime d'imposition des plus-values immobilières plus ou moins favorables. Donc ça, pour moi, ça pourrait être ce que je qualifierais d'opportunité. Puis après, la notion d'impôt sur la société, pour moi, ça peut aussi être une opportunité. Ça fait fonction de là où on se place, puisque la SCI, elle peut faire le choix d'opter pour son impôt sur la société. Et donc du coup, elle va dépendre du régime des BIC, voilà, bénéfices industriels et commerciaux. Ça sous-entend qu'elle va pouvoir déduire en fait tous ses amortissements de rénovation, de construction, etc., etc. À côté, ça je vous l'ai dit aussi, l'avantage de l'imposition sur la société, c'est que les bénéfices seront imposés à 15% jusqu'à 38 KE, et puis après, au-delà, on basculera à 33 un tiers pour cent. Donc, ce qui est plutôt une opportunité, à mon sens, pour la personne qui souhaite entreprendre ou commencer à gérer son patrimoine en envisageant une rémunération par le mode de dividende. La SCI, maintenant, question problématique. La SCI, que se passe-t-il en fait en cas de vente du bien? Alors là, c'est un petit peu compliqué. Là, je dirais que je suis pas experte, mais la plus-value restante, elle a tendance à gonfler au final. Pourquoi elle gonfle? Parce que on a bien une soustraction de l'impôt sur la société qui est plutôt favorable. Mais par contre, on a également la notion d'amortissement qui, eux, vont être déduits du prix d'achat. Et ça, a priori, ça vient conditionner l'augmentation de la plus-value finale qui, du coup, sera imposable. Donc, voilà pour les avantages, les inconvénients et ma vision de la chose dans mon approche non expert et un peu mode touriste de c'est quoi une SCI et comment je la comprends. Donc en conclusion, je le redis, je ne suis pas une experte, j'ai juste une particulière curieuse de comprendre le fonctionnement d'une SCI en termes d'avantages, d'inconvénients et donc au regard de ma situation, de mes projets de vie, de mes projets entrepreneuriat, de mes projets potentiellement de mariage, de mes projets potentiellement de bébé, parce que j'ai peut-être envie de faire 20 bébés, alors je veux m'assurer que dans la donation, tout soit parfait. Etc., etc. Donc, non, en fonction, pour être plus sérieuse, en fonction de nos propres besoins, quels qu'ils soient, voilà, j'ai voulu me poser la question de savoir à quoi servait la SCI et quels avantages et inconvénients elle nous offrait. Voilà.
Bon, ce que je comprends, c'est que la SCI, en fait, oui, elle semble confirmer qu'elle a de nombreux avantages dans le cas de figure de la transmission, donation et héritage. Voilà, donation d'actifs et autres. Allez, voilà, je vous abandonne, n'y est pas, ma présentation vaut ce qu'elle vaut. Voilà, j'ai au moins le mérite d'avoir essayé quelque chose et essayé de comprendre. Mais vous l'avez compris, j'en suis loin, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience si vous êtes un expert en la matière. Et si c'est le cas de figure, je n'y ai pas. Allez, au revoir, prenez soin de vous.